Salut tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je suis enfin en vacances, enfin pas complètement puisque j'ai fini mon année de première, mais il me reste bien évidemment le bac dans une semaine, donc il n'y aura sûrement, peut-être un jeudi, je ne sais pas, sûrement pas de vidéo durant la semaine puisque je suis censé réviser. Enfin bref, vous verrez bien. Et je verrai moi-même si j'ai le temps de vous concocter des petites vidéos durant cette petite semaine qui m'est donnée pour réviser. Donc ouais, je vais m'y mettre à fond pour essayer d'avoir le bac. Et comme ça, après, je pourrai me consacrer pleinement à YouTube. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. On va bientôt passer les 300 abonnés. Enfin, on y est, hein. À un près, on a 299, 298 au moment où je fais cette vidéo. Et franchement, je vous remercie en si peu de temps avoir 300 abonnés et presque 20 000 vues. Moi, je dis chapeau. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaît toujours autant. S'il y a des critiques que vous avez à faire, n'hésitez pas. Hein. Surtout, faut me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer. Enfin, ce genre de choses pour pouvoir promouvoir un peu plus ma chaîne et que d'autres personne vienne s'abonner pour agrandir notre minuscule communauté. C'est même pas une communauté, mais voilà, pour agrandir la famille, va-t-on dire. Enfin, je dis n'importe quoi. Enfin, bref, vous m'avez compris. Ce serait vraiment sympa de dire, votre avis sur ma chaîne et puis si vous avez des critiques à faire. Enfin bref, donc on se retrouve sur Black and White 2. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai baissé le gamma à fond, ce qui fait que le jeu est super sombre. Et vu qu'on est maléfique, ça donne vraiment un effet splendide avec les flammes rouges. C'est très très vif. Ça envoie de la couleur. Vous voyez la flamme ici, c'est très lumineux. Et je trouve ça plutôt pas mal. Toujours avec les lags. Qui m'en supporte. Et donc on était toujours avec les Japanese. Vous voyez qu'ils vont nous attaquer. Mais attendez, on va se marrer les amis pour ce début d'épisode. Tac. Attendez, vous voyez, vu que le gamma est très très faible, ça fait beaucoup beaucoup de lumière. Attention, une petite vague de samouraïs s'approche. Vous allez voir ce qu'ils vont prendre. Attention, c'est amenez-vous les mecs. Ah bah il y a Meu qui veut les. Ah, attention, attention, attention. Ah voilà. Nous vengerons votre mort. Voilà, c'est fait. Oula, il y a un arbre qui a pris feu. Ah non, c'est une petite lanterne. Attention. Non, 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 toi tu vas attaquer. Va attaquer, va attaquer. Oh là là, ma créature s'est endormie alors qu'on se fait littéralement attaquer. Et j'ai plus assez de mana. Ouh, attention les amis. Va falloir faire ça au rocher, à rocher. Tac. Ah bah merde, il y a eu un lag au moment où je l'ai pris. Ça a coupé. Attention. Voilà, on l'aide à coup de rocher. Hop, sans la viser. Sinon ça va être un petit peu la galère. Ah bah voilà, elle va s'en charger. Voilà. Bon, il va le rien. Et ce qui est bien, c'est que ça va entraîner une autre créature et ça va la muscler. Enfin oui, ça va la muscler. Et elle sera beaucoup plus puissante en combat. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, bah, c'est bien sûr de développer la ville et de réaliser quelques objectifs et bien sûr une mission. Comme à chaque épisode. Et on voit que le soleil se lève. Enfin, ouais, c'est bientôt le. Oula, mince. Oula. J'ai reculé un peu le. Voilà. C'est bientôt le lever du soleil. Donc, alors, on a beaucoup de choses à faire. Et ils ont vraiment pas beaucoup construit. Hein. Vous voyez, il y a plein de maisons qui restent à construire. Le problème, c'est que les ressources. Forestières, vais-je dire, se trouvent toutes ici. Et résultat, non, on peut pas les saisir, il faut qu'on envoie des disciples forestiers tout simplement. Mais le problème, c'est que là, je peux plus en faire beaucoup vu que j'ai plus un arbre. J'ai plus d'arbre chez moi, c'est bien simple, j'ai plus d'arbre. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'augmenter à mort la population. Vous voyez, le taux de natalité est de... il est au maximum. On a à peu près 38 enfants sur 54... pouvant être accueillis. On a population adulte 105. Ouais, bon, ça va, ça commence. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va s'amuser. Vous voyez là, toutes les femmes sont enceintes quasiment. Et regardez-moi cet hôtel, ce charisme.
Ce charisme, il brille, il est rouge, il est maléfique. Ça d'ailleurs, ça fait penser, on a pas assez de disciples adorateurs. Disciples adorateurs. On va en faire la dose là. Tac, ça c'est un enfant. Oui, c'est un enfant. Maintenant, je remarque même plus, ils ont tellement la même couleur. Le temple est toujours pas terminé. Ah, il manque quelques ressources. Bah attendez, je suis bête moi. Parce que mine de rien, ouais, on a quelques ressources dans l'entrepôt, faut pas l'oublier. Tac, voilà, ça c'est parfait. Je vais aussi voir si j'ai assez de points d'offrande pour m'acheter des petites folies. Et je crois que il me semble que je l'avais fait. Voilà. Ben si, il est dupe, regarde-moi ça dans ta vieille. Je dois avouer que c'est très sympa. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'honneur et pour nos vies. À l'attaque. On peut faire de très beaux panoramas hein, sur ce jeu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Avec la musique. Oh là 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 là. Que c'est beau. Je vais faire un petit tour du côté des missions. Cette ville aussi est très... Enfin, c'est pas une ville, mais bon, voilà, c'est un petit village très sympa. Celle-là, non, on la fera à la fin quand on aura terminé. Peut-être celle-là, ouais. On va peut-être essayer celle-là. Ou alors celle-ci. Ah ouais, ça pourrait être sympa. Ah ouais, ouais, ouais. Si j'y arrive, écoutez. Parce que je me souviens que j'avais galéré à un moment, hein, mais vraiment galéré. Hein. Il y a une astuce, je vous le cache pas, j'avais utilisé les solutions. Et on a aussi nos samouraïs. Vous vous souvenez de la première mission dans l'épisode précédent, on avait fait une mission où j'avais, pas récolté, mais trouvé plein de petites statuettes de samouraïs un peu éparpillées un peu partout sur la map. Et il s'était retransformé en vrais hommes. Ouh là 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 là. Attendez, on va varier. Bon, attendez. Voilà. On va varier les plaisirs un peu. Voilà. Ça fait de la belle lumière comme ça en plus. Vous voyez ça? Oh, c'est bien. Moi, c'est bien. Voilà. Surtout, tu les attaques. Hein. Voilà, faut. On va s'occuper un peu de la créature. Je vais peut-être lui acheter des jouets, tiens. Ah, ce serait une bonne idée. Écoutez, elle a plus d'énergie. Elle va aller se reposer. Alors, par contre... Alors, j'espère qu'elle peut y accéder. Hein. Oui, elle peut y accéder, normalement. Oui, elle peut y accéder. Donc, elle va aller dormir. Et on va tout de suite faire... alors, je sais plus quelle touche c'est. Bon, pour y accéder, hop, on va aller là. Et on a 418 000. Bon, je pense qu'on peut se permettre d'acheter des petits jouets pour notre créature. Alors, je vois... Non, alors peluche c'est pour le bien. La balle. Ah, elle pète en dormant. C'est très charmant notre créature. C'est charmant, c'est charmant, c'est charmant. Et nous avons la poupée vaudou. Ouais, pour le mal, bah exactement. C'est ce que je vais acheter, ça vaut pas cher. La balle aussi, je vais l'acheter. Et voilà. Et ils sont tombés ici. Oh, oh le ballon. Alors le ballon c'est vraiment très fun. Vous voyez, parce que... Tac. On va le laisser là. C'est un ballon. Hein. C'est au sens propre du terme. C'est un ballon. Il rebondit partout. Vous pouvez le retrouver à l'autre bout de la map des fois. Hein. Et il rebondit bien en plus. Hein. Et donc avec ça, notre créature va pouvoir se développer. Oula, c'est un peu bizarre les bruits qu'on entend. Ah, c'est une poupée vaudou. Hein. Bah écoutez, on la fera jouer avec quand elle sera réveillée. Et regardez-moi ce beau... Oh, c'est pas beau. Si c'est pas magnifique... Attendez, j'essaie de trouver un beau point. Ah, c'est magnifique. Oh, regardez ce que j'ai sur la main. Regardez ces signes. Si c'est pas beau. Oh là 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 là. C'est absolument magnifique. Donc, au lieu de dire des conneries, moi, je vais continuer hop, à développer. Voilà. Là, j'ai pas continué le chemin. Voilà. Alors, je crois qu'ils m'ont demandé une garderie. Mais alors, je sais plus si je l'ai fait... non, je l'ai pas construit la garderie, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bah écoutez, on va leur construire une garderie, hein. Ils sont contents. Ah, mais ici j'ai construit le cimetière. D'accord. Ah, ils veulent des champs. Ouh, mais regardez, il y a full. J'ai pas fait assez de disciples fermiers. Très important si vous voulez faire une ville qui tient la route sur la durée. Hein. Disciple. Enfin, je veux dire, si vous voulez continuer longtemps le jeu après disciple avoir terminé fermier. Le royaume, c'est très important d'avoir une économie solide et notamment beaucoup de fermiers. Même si c'est très compliqué si vous avez plus de
4000 personnes dans votre ville. Moi, c'est un défi à chaque fois. J'y arrive pas parce que, en plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est un bug ou. Une connerie comme ça, mais en fait, mince. Disciple fermier. Si vous voulez, tous les fermiers stagnent à un moment. Je sais pas pourquoi ça fait ça. À un moment donné, ils stagneront tous. Disciple fermier. Vous voyez là, à l'entrepôt et autour de l'hôtel de ville quand il y en a trop. Et je dis pas pourquoi. Excusez-moi, je viens de taper dans le micro. Je sais pas si ça fait un gros bruit. Enfin bref. Donc on va la faire tester. Ah regardez, elle prend la poupée voodoo. Alors qu'est-ce qu'elle va faire avec? J'arrive pas à lire. Je vais m'amuser avec ce villageois. Attention. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah d'accord, elle est comme ça. Ok, elle vient d'écraser des gens avec la poupée vodou. Est-ce qu'elle est sérieuse? On va prendre un petit miracle de l'eau. Tac, voilà. Parce qu'on aide un petit peu la population quand même. Même si c'est bien. On est toujours... on n'est pas 100% il me semble. Non, 97, ouais. C'est pas 100%. On va prendre plus de gens. Disciples, adorateurs. Il nous faut des adorateurs. Disciples, adorateurs. Ah, me dites pas qu'on nous... Oh, là, décidément. Allez, hop, du feu. Je vais essayer d'acheter... Oh, ben voilà, ils sont tous morts. Vous voyez, les pouvoirs, c'est vraiment très pratique dans ce genre de situation. Par contre, cette maison ne sera jamais construite. Ce que je vais faire, c'est que... Bah ouais, je vais faire une enceinte. Comme ça, ça me paraît bien. Ouais, par contre, là, ça va être un peu la merde. Les écrits disent... Ok, bah voilà. Les remparts qui entourent une cité sont comme un nœud coulant autour de son cou. Ouais, ouais, c'est bien. Donc, là, apparemment, pour la créature, tout va bien pour Meu. Hein. Meu va très bien. Elle a un petit peu mangé. Vous voyez, là, sa barre est dans le jaune. Ce que je veux qu'elle fasse maintenant, c'est aller construire cette... cette muraille pour arrêter d'être embêté par ces foutus samouraïs. Bon, on va l'aider un petit peu, quoique j'ai même pas besoin d'elle. Oh d'accord, en fait j'ai pas besoin d'elle. Autant pour moi, mais tu peux aller te recoucher. Ah, oh, c'est bon. J'ai construit là, ouais c'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'amuser. Non mais elle va s'amuser, mais elle fait que s'amuser cette créature, c'est pas possible. Faut que vraiment que je la mette au boulot. La garderie, on va la construire dans cette zone là, voilà. J'épargnerai les occupants de la garderie. Nous ne sommes pas des monstres. Ouais, enfin ça c'est ce que tu dis quoi. Hein. Après voilà, entre dire et faire, il y a un gros lac hein. Vraiment. C'est quoi ça? Ah c'est du minerai posé ici, d'accord. Ah oui c'est vrai que ma fosse de torture elle est toujours pas terminée hein. Pareil le cimetière. Hein. Non mais oh. Ah une garnison d'archers c'est très intéressant. Mais il faudrait que j'agrandisse ma vie dans cette zone. Tac, voilà. Tac, 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 voilà. J'ai mis quelques maisons, nickel. Excusez-moi, mon téléphone vient de sonner. Ok, bon. Surtout si c'est M6 mobile. Merci bien les mecs, vous êtes très utiles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vois... Mais c'est bizarre, regardez. Ah oui, c'est parce qu'il y a un nuage, ouais. Ah là 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 là. Je trouve ça magnifique. Le gamma, vraiment, en le baissant à fond, ça donne vraiment un effet rougeoyant. Très 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 maléfique. Et regardez le soleil qui se lève. Oh, c'est vraiment beau. Avec la mer et tout. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous voyez, c'est rouge ici. Ah, ça me plaît vraiment. Je crois que c'est une des séries sur laquelle je prends le plus de plaisir à tourner. Mais what the fuck, c'est quoi ce drapeau? C'est pas grave. Tac, on va commencer aussi à mettre des lanternes pour être pour faire vraiment vraiment lumineux. Vous allez voir, ça va être sympatoche. Des portes. Oui, des portes. Les écrits affirment que ceux qui construisent des portes se piègent eux-mêmes à l'intérieur. Ouais, mais voilà quoi, tu vois. Bon. Bah voilà, on a des portes. Ok, donc on va commencer à se faire une petite armée. Alors, on va voir combien je pourrais m'en faire. Ah, j'arrive pas à sélectionner. D'accord. Alors, ok, il veut pas me dire les infos. Ah, c'est génial, ça. Ok. Alors. D'accord. Alors, combien? 45.
Ouais, j'hésite. Bon, allez, je le fais. Tac, ça nous fera une petite troupe d'élite pour débuter. Histoire de défendre un peu la cité. Par contre, faudra qu'on fasse des archers. C'est un peu chaud à dire. Ah, bah voilà, ils font le tour. Ah oui, mais merde. Ah oui, puisque là, il y a une... Ah oui. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, ce qu'on va faire... Venez, venez. Voilà, ça les fait bien chier maintenant. Par contre, alors, va falloir bien que je vise. Attention. Oh, c'était du professionnalisme. On va varier un peu le feu. Attention. Oh, c'était beau, ça rebondit. Oh là 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 là. Regardez, il meurt. Il meurt dans d'atroces souffrances. Ah, c'est vraiment cruel, hein. Oh, mais il y a des arbres ici, j'avais même pas vu, tiens. Ah bah, le problème, c'est que, ouais. Heureusement, ils vont chercher tout seuls mes citoyens. C'est ça. Mais regarde-moi ces maisons. Oh là 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 là, c'est horrible. Et elle éparpille ses jouets. Prends ta poupée vaudou là. Oh là là. Ici, il nous faut un peu de bois. Et on a combien de bois? Et on a vraiment pas beaucoup de bois. Ce qu'il va falloir faire, ici, ils en ont. Oh, mais je suis idiot. Mais je suis con. Ce qu'on va faire, attends, il faut combien de prestige possible? 5000. D'accord. Et nous, on a combien? Alors, Narata. Alors, je suppose que c'est ça, Narata. Ah non, ça, c'est Shiroku. Shiroku, ouais, il faut... Oh putain, faut beaucoup pour Shiroku. Mais... Ah oui, ça, c'est Narata, ça, je suppose. Ouais, ah non, ça, c'est Nutsu. Putain, c'est quoi le délire? C'est où, Narata, là? Je sais pas. En tout cas, ici, là, ce serait très intéressant de conquérir ici. Parce que vous voyez tout le bois. Bah écoutez, au lieu d'attendre que bon, qu'ils viennent, hein, on va faire la guerre. On va faire la guerre. On va les capturer là. Ça nous fera un double hôtel de ville. Et comme ça, on va pouvoir les faire se rejoindre ces deux villes. Et je crois qu'il est temps pour faire notre mission du jour. Attendez, on va attendre que ça capture. Comme ça, après, on n'aura pas le bruit désagréable là. Et on voit que nous avons beaucoup de disciples fermiers. Regardez, les ressources alimentaires sont... Voilà, l'entrepôt, il est plein, là. C'est juste en bois et en minerai qu'on manque un petit peu. C'est ça le problème. Vraiment, pour l'instant, les Japonais, voilà, hein, ils se touchent la nouille, on va dire. Ils ont beaucoup d'unités. Ils ont leur petit tigre ici qui est tout mignon. Tout mignon, le tigre. C'est tigrou. Et on va faire la mission juste... j'avais dit quoi? Ah non, non, oui, juste là, sur l'île. Oh, ça, c'est magnifique. Oh, regardez ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. J'arrête pas de le dire à chaque fois, mais c'est vraiment trop beau. Et donc... Tac. Oh, c'est beau. Ce sont vraiment des guerriers. Mais nous leur sommes supérieurs. Ils ne nous battront jamais. Ah non. Oh bah fou. Ah bah voilà, j'ai répandu... Regardez ça, j'ai répandu la lave et un gros truc de lave qui s'est répandu tout autour. Et il pleut en plus. Ah, le problème c'est que ouais, je récupère pas la ville, ce qui fait que je peux pas prendre les arbres. Ah, je suis deg. Par contre, combien ils m'emmènent? On va voir. Alors Oh, ils ont zéro boîte, sérieux. Oh, mais ils servent à rien, eux. Ouais, on va aller capturer ça aussi. Ah, ils servent à rien. Oh, une très jolie plage ici, hein. C'est le seul coin lumineux, tu sais. Regardez ça, comment c'est devenu horrible. On dirait que genre il y a un volcan qui a poussé ici. Pareil, là, c'est assez abusé. Et donc, c'est parti. Let's go for... Ah, attendez. On va juste... virer ces vilains japonais et on va tout de suite se lancer dans la mission qui vous allez le voir est plutôt marrante et sympa à faire franchement. Qu'est-ce que je fais moi? Fallait que je prenne un pouvoir. Alors feu, électricité, feu, de toute façon on a de quoi. Allez, électricité. On va essayer de faire du lancer. Oh oui. Oh oui. Oh, du premier coup. Oh, c'était magnifique. Et avouez, là il y a BG quand même. BG, moi je dis. Regardez ça. Oh, c'est pas beau. Si c'est pas beau, on va attendre qu'ils finissent de capturer. Regardez, vous allez voir, ça va être fun. Oh, c'est trop bien cette petite statue. Attention. 3, 2, 1. Ouais. Voilà.
cacher en grâce. Et eux non plus, ils ont pas de bois. Et voyez, hop, pff, le mal. Ok, donc on s'est bien fait enfler. On va juste attendre que eux ils arrivent. Et là, je vous jure, on va pouvoir commencer la mission. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Voilà. Bon, ben voilà. Génial. Ok, bon, let's go to the mission. C'est parti. Je vous laisse apprécier la petite cinématique. Aujourd'hui, nous sommes sur la piste des ruines de Zantora. Mes recherches me poussent à croire que le tombeau est situé sur cette île. Il y a une ancienne rune cachée quelque part non loin du campement. Elle nous mènera à l'endroit où se trouve le mystérieux édifice. Ah. Notre expédition. Ah. Je crois que la première des runes que nous recherchons est tout proche de l'endroit où nous nous tenons. Alors vous voyez, c'est un petit jeu d'énigmes. On doit trouver tout simplement les runes qu'ils cherchent en fait. Le sol autour du camp, voilà. Vous finirez peut-être par le trouver. Voilà. Oh. Oh, c'est beau. Vous voyez, j'arrive même à mettre de la lave. Ah, par contre, je pousse un peu, excusez-moi. Ah voilà, ici, voilà. On a trouvé la première. Tac. Voilà, ça va être un petit jeu comme voilà. Ça. On va utiliser Regardez, différents pouvoirs. Il y a un texte ancien. Je vais le traduire. Il y est écrit. Attention, faut bien écouter. À la base de l'arbre solitaire. À la base de l'arbre solitaire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ok, vous voyez, on va utiliser un peu toutes les... Enfin, on va utiliser les différents éléments du gameplay, donc tous les pouvoirs de la main. Enfin, de nous, je veux dire, de Dieu, finalement. Et vous voyez que l'arbre solitaire, il y en a pas 50 000, hein. L'arbre solitaire, il y en a un là, et puis voilà. Hein. Voilà. Tac, je m'en souviens plus, hein. Ne dites pas que je cheat parce que je l'ai déjà fait, hein. Je vous jure, je m'en souviens plus. Rassemblez-vous, je vais traduire. Il y a la lave en dessous, tu sais. Il est écrit que... Quand le soleil est endormi, le rocher solitaire détient la clé. Une véritable énigme. Le rocher solitaire, ok. Ok. Ok, bon, j'ai pas compris. Ok, alors le rocher solitaire. Alors, il n'y en a pas 50 000. Un groupe d'immigrants attend en bordure de votre zone d'influence. Non, c'est pas ça. Vous pouvez les accepter ou les rejeter. Il n'y a pas de... Ah non, il n'y en a pas. Ah non, bah merde, c'est pas lui le rocher solitaire, je me suis gouré. Ah, c'est peut-être ici. Oups. Oh putain. Oh là 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 là. Oh putain. Alors, lui, il a échappé à la mort, lui. Non, c'est pas là. Ça doit être ici. Ah, mais c'est ça le rocher solitaire. Voyez, je commence déjà à galérer. D'accord. Tu m'expliques où il est le rocher solitaire? Il est pas là, moi. Il est pas là. Non mais non. T'es sérieux? Au pire là on finira bien par le trouver, non? Attends, à la base du rocher solitaire. Alors rocher solitaire, alors là ça se trouve. Mais t'es con ou quoi? Mais t'es stupide. Ah, ça doit être là. Non. Mais t'es stupide. Mais t'es con. Alors là, je vous avoue, je trouve absolument pas. Alors là, il y a peut-être ça ici, là. Excusez-moi, je suis un peu le bordel, les mecs, hein, m'en voulez pas. Hein. Peut-être là, alors. Ah, ça fait vraiment un bruit chelou. Ouais, bon, alors là, par contre, vous voyez, ça commence vraiment... Ah, il y a... Méga baston. Oups, attendez, on se fait niquer là. Oh là là. Ah oui, bah oui, ils sont pas chiés, eux. Allez. Voilà. Vengerons votre mort. Donc. Honorable guerrier. On va accepter aussi ces Michel. Tac. Vous voyez, cette mission est. Ah. Attendez.
Cette mission est plus que compliquée, hein. Je vous le dis, c'est vraiment chaud, hein. Putain, le rocher solitaire, mais il n'y a pas de rocher. Putain, le rocher solitaire. Peut-être ça. Ah, il n'y a que là. Il y en a pas 50 000 de rochers solitaires. À la base, attends, il y a bien écrit ça à la base du rocher. Il est ici. Ah, quand le soleil est endormi, le rocher solitaire détient la pluie. Ah. Ah, c'est important de le dire, ça. Hein? Bah voilà, hein. Ah bah voilà. L'autre, il le dit pas, forcément. Ah, ça m'énerve, ça. Il avait pas 50 000, les rochers solitaires. Ah, oui, putain. Nous approchons du but. Voyons ce qu'il y a écrit. Trouver le point reliant les tâches passées. Une énigme difficile. Oh putain. Putain, mais le mec, qu'est-ce qu'il a? Il a fumé ou quoi? Putain, mais le mec, alors. Oh, mais c'est ça qu'il veut trouver. Bah oui, bah là, il y a un arbre, un rocher et. Bah ouais, ça doit être là. Il n'y a que ici que ça peut être, hein. Et à tous les coups, je vais pas le trouver. On paye combien que je vais pas le trouver? Je suis sûr que c'est là. No. Là, alors ça doit être là, un endroit à la con, là. Mais c'est obligé que ce soit plus là. C'est obligé que ce soit là. Attendez, on va relire le truc. Vous voyez ce qu'il y a? Trouver le point reliant les tâches passées. Bah alors rocher, alors on est d'accord, il y avait camp. Ok, alors camp. Voilà, arbre solitaire, ok. Attends, il y est écrit. Là c'est l'arbre solitaire, là c'est le rocher solitaire. Ok, alors là il y a des rochers. Et ici il y a les rochers. Et là, il y a l'arbre. On est d'accord. Ah, mais il va pas commencer à me casser les roubignoles, le Michel, là. C'est pas là, là? Ah, je me souviens que j'avais galéré pour ça. Mais attendez, on est d'accord. Alors, le rocher solitaire. Alors, ici, y a rien. Ici, y a rien. Ah bah voilà, mais c'était un truc complètement illogique. Bah voilà, le truc il est là. Non mais franchement. La voilà, la dernière rue. Oh là 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 là. Elle montre le chemin menant aux ruines. Oh, le chemin. Je suis d'accord. Voilà. Les ruines doivent se situer sous ces imposants rochers. Il nous faudrait la force d'un dieu pour les déplacer. Impossible d'examiner ces ruines pour le moment. Vous pourriez déplacer ces rochers, patron? Je me demande si quelqu'un finira par s'intéresser à ces ruines. D'accord. Alors le mec... Alors ça me fait rire. Le mec, il pouvait pas lever son pif. Hein. Non. Le mec, il pouvait pas lever son gros pif pour voir le putain de temple juste devant depuis tout à l'heure. Non. Ah, il y avait un arbre caché. Il y avait un arbre devant. Ouais. Hein? Il y a un putain d'arbre qui était bien sur le côté qui dégageait toute la vue. Bon, enfin, c'est pas grave. Et le truc, alors, qui est censé être devant, là, ce qui me paraîtrait le plus logique. Et le truc, il se retrouve en arrière. On sait même pas pourquoi il y avait des rochers ici. Je sais même pas pourquoi il est là. Je comprenais même pas le lien, là. Bon, bref, on va pas s'énerver. Hop. On va lui virer ces rochers, là. Je devrais même les écraser. Ah, non, ils sont immortels. Ah, ils sont immortels ou quoi? Quelle honte! Vraiment, rien de plus drôle qu'un petit massacre! Oups. Ah non, c'est bon! J'ai tué son pote! Ah merde! Oh non!
Oh non. Oh non. Oh, j'ai pourri la mission. Ah, le bisu. Ah bah voilà, bah j'ai pourri la mission. J'ai pourri la mission. Ah là là, je m'en veux. Ah, je suis dégoûté. Eh, on se fait attaquer mine de rien. Voilà. Stop. Donc je me suis fait couiller. Bah j'ai fait le triso, hein. J'ai fait le con. Bah écoutez, on l'a. Bah ouais, bah je sais pas. Je suis idiot. Ah, je suis vraiment idiot. J'ai tué son pote. Et ça m'a enlevé la mission. Ah, je suis vraiment dégoûté. Ah là 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 là, vous pouvez pas savoir. Bah écoutez, bon voilà, au pire, je vous dis, il y avait une cinématique. Bon. Voilà quoi, il y avait une cinématique et ok, voilà. Enfin bref. Et voilà, il dit, ouh, on l'a trouvé le temple, machin, bidule et tout. Et il murmurait, et après voilà, c'était la fin. Donc sur ce, les amis, ben, on va se laisser là. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et bien sûr, abonnez-vous. Si vous avez envie de voir la suite de ce let's play. Allez, salut à tous, portez-vous bien.